fait, où les revenus ne sont pas suffisants pour les dépenses. Donc, on est dans un déficit structurel. On est l'avant-dernière province la plus pauvre au Canada, puis on est celle avec les programmes sociaux les plus généreux. Faut pas tomber à bonne notre chaise de surprise que le gouvernement soit dans le trou. Publics sont dans le rouge depuis plusieurs années. Hier, on vous parlait de cette étude des HEC qui n'a rien de rassurant. Productivité et prospérité au Québec, bilan 2013. Avec nous, l'auteur, Robert Gagné. Monsieur Gagné, bonjour. Est-ce qu'on frappe un mur bientôt? On l'a frappé, le mur. Le mur, on l'a frappé, là. On est dedans. Puis vous dites-moi, comme économiste, j'ai tout regardé ça. Puis c'est évident qu'on s'en va dans un mur. On va pas dans un mur, on est dans le mur. On est dans le mur. Bon, faut faire des choix. On essaie de résumer tellement de chiffres et tellement de données, vous avez fait colossal. J'essaierai de le résumer en disant, dans le fond, partout où il y a question de richesse, on est dans le peloton de queue au Canada. Partout où il y a question de dépenses publiques, de programmes sociaux, on est dans le peloton de tête, on dépense plus. Voilà. Vous avez ramassé un 20 ans. Moi, je veux dire, les chiffres me jettent à terre. Au Québec, il y a de là, les programmes sociaux ont augmenté de 60 %. Oui. Ontario, 17. Je reviens sur la péréquation. La péréquation, l'idée de base, là, c'est que le gouvernement fédéral donne de l'argent aux provinces pauvres pour que les provinces pauvres puissent se payer des programmes sociaux que les autres provinces se paient. Correct, là? Les autres provinces roulent en Nissan. On va te donner de l'argent pour que toi, tu puisses rouler en Nissan. Nous autres, on prend cet argent-là de la péréquation, qui est de l'argent de bien-être social, et on se paye des programmes que même les autres provinces riches ne se payent pas. Parce que c'est ça, là, on se paye des garderies à 7 piastres que même les autres provinces qui roulent carrosse se payent pas parce qu'ils trouvent ça trop cher. Et comment je peux dire ça? C'est que moi, j'ai rien contre la péréquation puis les paiements de péréquation. Ça fait partie du système, on en profite. Mais là, ça commence à être trop, là. C'est un peu gênant, je trouve. C'est comme si... Puis en plus de ça, c'est qu'on est très, très environnementaliste. Puis quand il est question de développer nos richesses naturelles, on est vraiment pour les études d'opportunité puis le principe de précaution, etc. Mais on profite, dans les faits, des sables bitumineux de l'Alaska, dans l'Ouest. Et puis je trouve qu'on veut pas se salir les mains. Il y a quelque chose là-dedans que je n'aime pas, parce que je trouve que c'est le contraire d'une nation qui se tient debout puis qui est rigoureuse. C'est-à-dire qu'on profite, l'Alberta, eux autres, ils vont polluer, l'Alberta va se salir les mains, et ils vont pomper du pétrole, mais nous autres, on profite de l'argent qu'eux autres génèrent avec ça. Puis on veut pas en parler. Parenthèse, on va recevoir en péréquation 9,3 milliards de dollars, ce qui correspond à 55 % de tout l'argent que le fédéral donne en péréquation. Voilà. On est une province de BS. Exactement, de c'est BS. Ça. BS. C'est pas celle-là, c'est la tempête des annonces qui a déferlé sur la région de la Mauricie, du centre du Québec. Ils sont en Mauricie. En 4 jours, le gouvernement Marois et ses ministres vont faire 85 annonces. Ouais, mais 85 c'est... annonces. Il me semble qu'on n'avait pas d'argent. Merci. Avant qu'on parte pour les vacances des fêtes, c'était quoi le message? C'était « on n'a plus d'argent ». C'était le dernier message que votre ministre des Finances, notre ministre des Finances, Nicolas Marceau, nous a dit avant les fêtes. C'est, il était prévu que j'arrive à éliminer le déficit le printemps prochain. Je suis pas capable. Puis là, tout à coup, on vient des fêtes. Et là, ce qui est à l'ordre du jour, c'est d'annoncer des dépenses, d'annoncer des investissements du gouvernement dans toutes sortes de domaines.
ça pogne. Oui. Parce que si exactement. Ça pognait pas, mais non, c'est ça. Ils feraient pas ça. Mais non. S'ils donnent des cadeaux, c'est parce qu'ils savent qu'ils vont se faire élire. Donc, on est des dindes. Jean Parent, on est des dindes. On peut-tu, on votera jamais pour un politicien ou une politicienne qui va nous dire les vraies affaires. On veut du rêve. Qui apparaissent. Ouais. Je vous donne un exemple. L'été dernier, en plein mois de juillet, en plein de crise du lac mégantique, le ministère des Finances émet un bulletin d'information et annonce le prolongement d'un crédit d'impôt pour affaires électroniques de 10 ans, 2015 à 2025. C'est une annonce, M. Bruno, de 3 milliards de dollars. Ça veut dire que complètement sous le radar. Les Québécois sont les plus généreux au Canada envers leurs entreprises grâce aux crédits d'impôt et aux subventions. Monsieur Parizeau, fait juste mettre la loupe sur un bobo qui fait mal. Dans la cimenterie à Port-Daniel, une annonce électorale en Gaspésie, on a investi 450 millions de fonds publics. Il dit 450 millions, c'est le même montant qu'on met dans la politique industrielle sur 5 ans. Puis d'autres qui ne sont pas contents, ça doit être le gouvernement du Parti québécois. Parce que je trouve qu'il y a une critique très, très dure, en fait, de la subvention énorme du Parti québécois à la cimenterie dans la Gaspésie. Ah, puis il est dévastateur. C'est un cadeau. C'est pas une politique industrielle. Ça, c'est une critique dévastatrice, je trouve, du gouvernement péquiste. Quand il met en compte... Maintenant, au Québec, on peut dire que Pauline Marois a fait son premier engagement électoral, celui de ramener la souveraineté à l'avant-plan. Véronique, elle promet une large consultation sur l'avenir du Québec. Oui, alors qu'elle prononçait un discours hier soir devant 300 militants à Trois-Rivières, elle a annoncé un livre blanc sur l'avenir du Québec. Donc ça veut dire des consultations générales sur la souveraineté. Donc, je crois que pour aller vers cette proposition d'un livre blanc, il est préférable d'avoir un mandat majoritaire, l'appui de la population de façon claire. Des délais. Évidemment, tout ça va se faire dans un contexte où, après d'une élection, c'est un engagement électoral de notre formation politique. Be happy. Don't worry. Be happy. Don't worry. Be happy.